tout ce que je joue, ça vient à peu près de mon père. Hein. Et d'autres violonneux qui n'étaient pas du même coin que lui. Comme Julliard Dumas, là, il jouait bien les morceaux que mon père jouait aussi. C'était un célèbre aussi. Je l'avais écouté plus d'une fois quand il jouait les noces. Il jouait devant le cortège. Comment il avait eu son violon, ton père ? Comment qu'il avait eu ? Il n'était même pas lui le violon qu'il avait, c'est le violon de mon oncle. C'est un violon d'études. Il était même tout fendu, là. Ça s'était tout décollé. Ça valait rien, mon violon. J'ai joué longtemps avec, quand même. Je m'étais bien appris avec ce violon. Mais après, quand j'ai commencé à jouer, à écriver, là, j'en ai acheté un. J'en ai acheté un, c'était un cousin à moi qui était à Paris. C'était son professeur qui lui avait choisi. C'était un bon violon. En passant les réveillés, il y a une bonne femme qui me l'avait écrasé. Alors je pense qu'il n'a jamais il a bien marché après. Je l'ai bien envoyé coller à... Je l'ai envoyé dans une fabrique d'instruments. Comment ça s'appelle? Ils me l'ont bien... Toute la table dessus était enfoncée et tout. Mais oui, il y avait deux lits un à la suite de l'autre, à ce moment dans les campagnes, c'était comme ça. Alors le bonhomme, là, lui, il avait un bout d'accordéon diatonique, il jouait quelques morceaux, l'accordéon était posé sur le lit. Alors moi, je pose mon violon à côté, sur le lit, avec l'archer dessus, là, comme je fais toujours, et je prends l'accordéon, je jouais un peu de l'accordéon diatonique en ce moment. Il y a un copain qui va chatouiller la bonne femme qui était au lit. Elle sort dans son lit, elle fait le saut dans l'autre, en plein sur le violon. Elle me l'a écrasé, j'ai pleuré mon violon, moi je sais pas combien de temps. Il me coûtait cher surtout en ce moment. 450 francs, je l'avais payé. C'était un bon violon. Monter là-haut. Hein. Kevin me disait toujours, pour faire ça, il faut avoir peur de devenir riche. Il faut avoir peur de devenir riche, il me disait, pour faire le vibrato. Si lui fait du vibrato, je pense que c'est parce que il a appris avec Joseph Rivé et que Joseph Rivé avait appris avec quelqu'un qui connaissait la musique et qui jouait comme ça. Entendu de parole. Il veut du violon pour les endormir. C'était pas vieux, si. 11 ans, 13 ans. 11 ans, 13 ans. 13 ans.
dans des pays perdus par là-bas, dans les bois. Une maison toute seule, je m'étais ennuyé. Bon. Alors il jouait du violon, c'était son compagnon. Les lourdes de la montagne, après qui vient via qu'on ne voyait pas d'enchat. Ça y a pas venu, les lourdes de la montagne, ça y a pas venu qu'on ne voyait mais dormir. Crève de chivol, pas d'aigle, crève de chivol, mais de zile, bonzi, le bonzi, mon paillard, paillard et gourdier. Le bonzi, bon paillard, paillard et gourdier. Fait tout seul les balles, moi, au début. Ouais. Seul au violon, sans accompagnement, sans rien. J'avais fait ça longtemps, plusieurs années. Et après j'ai fait des balles avec Lucien, son âme. 40 ans, on avait joué ensemble. Et je jouais tous les dimanches pour faire danser les bonnes femmes qui allaient à la messe. Et puis quand ça sortait de la messe, les filles, allez, au café, et puis ça dansait. Moi je jouais du violon et ça dansait. Et vas-y. Voilà. Je vais te raconter maintenant. C'est un violoneux qu'on connaît qui nous l'a appris. C'est un vieux monsieur qui a 83 ans, qui habite dans le nord du Cantal, sur le plateau de l'Artense. Voilà. Il s'appelle Joseph Perrier. Donc on va lui rendre visite de temps en temps, et puis il nous apprend des tas de morceaux, dont celui-là. Et celui-là, il a été inventé par un autre violoneux qui habitait dans la Corrèze. Il s'appelait Léon Perra. Voilà l'histoire du morceau.
Et quand vous l'avez vu jouer, il se jouait comme ça. Alors tous les violoneux qui le jouaient ici, ils jouaient comme ça. Ah, c'était mon oncle, surtout qui jouait ça. Bon. Mm-hmm. Il n'y en avait pas beaucoup d'autres qui la jouaient comme ça. Mm-hmm. Qui monte haut là, les trucs qui montent haut là. Ouais, la Scottish du Morvan. Château Chinois. Ouais. Ça nous la fera réviser un peu. Ça y est, tu l'as attrapé ? Tu y arrives ? À peu près, mais faut vérifier. Ça te prend encore un peu pour ta force. Moi, ça dépend, des fois je me trompe. Des fois, je fais des fausses temps. Parce qu'avant de faire Bougnat, ils ont fait porteur d'eau les Auvergnats à Paris.
Alors il montait de l'eau fraîche dans les étages, mais en plus de monter l'eau fraîche avec des seaux, là, il redescendait aussi les eaux grasses. Tu la joues ? Mais ça va, je peux pas. Ah non, mais dis ça, tu la sais pas. Ah non, je peux pas. Hein. Je peux pas. Quand toute la tonalité, je peux pas y arriver. Ah bon ? Ah non. Toute ta tonalité, je quand j'ai 15 ans, mon père m'a dit, il te faut gagner ta vie. Comme les garçons de ton âge, tu dois quitter le pays. Et depuis loin de mon village, je me vais pas en parler. C'est moi le porteur d'eau, avec mes deux seaux pour fardeau. J'arpente les quais de la Seine. Je travaille encore très tard au Cantou. C'est moi, Baptiste, que nul ne ignore, se vanter sonore de gagner des sous. Mais l'appétit vient en mangeant, quand j'aurai beaucoup d'argent, j'achèterai hôtel à Vincennes et café Parano. Loin de la Seine, je rêverai très souvent. C'est moi le porteur d'eau qui suis revenu au hameau. J'ai acquis un vaste domaine, je suis bien payé de ma peine. On me prend pour un mania. Je ne suis qu'un bon auvergnat. On dit que j'ai eu de la peine. Je me demande pourquoi. Car moi, Baptiste, de mon enfance, avec assistance, j'ai trimé beaucoup. Et si Baptiste est dans l'opulence, c'est la récompense des gars de chez nous. Ben, vous êtes bien arrivés, les gars. Tu vois bien que tu l'as sorti. Mais parce que... Il a... En chantant, ça te revient. Mais non, mais tu la chantes pas sur la même tonalité. Mais parce que je suis enroué. C'est pour ça que j'ai pris un peu plus basse. Moi, ça me fait mon affaire. Sinon, moi, je le chante. Là, je peux t'accompagner, mais... Quand je le chante comme ça, normalement. Autrement, quand j'ai 15 ans, mais mon oui, père... Mais là, oui, mais là, je peux pas. Quand on passait les réveillés, on était toujours une équipe de 7-8. Et on partait à la nuit tombante. On faisait toutes les maisons sur le long de la route. On allait des fois jusqu'à la Crégue. Et puis on se ramassait, des fois il était jour. Hein. Pour ramasser des œufs, c'est la semaine avant Pâques. Et à ce moment, on ne ramassait pas de sous. Hein. Les gens n'étaient pas riches. Il y avait des poules dans toutes les maisons en ce moment. On ramassait que des œufs en principe. Mais on a ramassé. Hein. Les quantités, alors. Après, on faisait une bonne fête. On se saoulait tous comme des bourricots. C'était une vieille tradition de toute façon. Oui, oui. Le lendemain, les poules mangeaient les vermicelles devant la porte. Réveillez vous tous les endormis, songez à l'autre monde. Réveillez vous tous les endormis, songez à l'autre monde. Réveillez-vous, songez à l'avenir.
pas si, hein. Faites pas si, hein. C'est fini, hein.